J'ai commencé, j'ai fait du judo. Après, quand j'étais jeune, j'ai fait pas mal de sport. Ça fait partie du roller, j'ai fait plein de sports. Et au final, il s'est avéré que j'ai des copains qui m'ont dit mets-toi au rugby avec nous, ça va être sympa et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Les valeurs, c'est justement les copains, l'esprit d'équipe et surtout les moments partagés au sein, et le plaisir dans le sport. Yes, c'est mes parents. Depuis petit, ils m'appellent Goth. C'est plus court que Gauthier, du coup. Et du coup, c'est venu comme ça. Et au final, toute l'équipe m'appelle Goth. J'ai des souvenirs comme à Gênes-Toulouse où c'est à guichet fermé. Vraiment, les supporters, la ferveur des supporters, le soutien, c'est vraiment des matchs magnifiques. Et c'est surtout mes premières minutes en top 14 sur ce terrain, et ça va rester gravé, je pense. Déjà, le titre de champion du monde, c'est forcément. Mais après, avec Agen, un souvenir qui va se graver, c'est la victoire l'an dernier à Brive. On fait un super match et personne n'aurait dit qu'on allait gagner. Et c'est ça qui était encore plus joli, quoi. Après le match de la finale, Arthur Vincent il soulève la coupe et en sautant je me prends la coupe ici là et j'ai eu 3 points de suture. Ouais, avant un match tout le temps, je lave mes crampons la veille et après le jour du match j'ai mes chaussettes, après mon short et après mon maillot. Tout dans l'ordre, et si c'est pas dans l'ordre, je suis pas bien, quoi. J'aurais aimé faire du handball, je pense, si j'aurais fait carrière dans un autre sport. Et je pense que c'est comme dans une équipe de sport collectif, il y a toujours une ambiance et un esprit d'équipe. Alors ici, c'est Loris. Je sais pas comment dire, mais... C'est illégal à lui-même, toujours plein de fougue, et il nous fait rire souvent.